Bah, ça a commencé au lycée, on répétait tranquillement, enfin sans prendre vraiment au sérieux en fait. On allait juste dans un local de musique pour. On s'est rencontrés en seconde, on ouais, voilà. On était dans la même classe en fait. Ensuite, on a fait une petite pause pendant un petit bout de temps, et à un moment, on s'est retrouvés. Et puis ouais, c'est Arthur qui est venu me voir, me proposer de faire la batterie sur ses compos. Et après, il est venu me voir aussi pour faire la guitare rythmique. Et puis... Résultat, on a reformé un groupe à trois, ouais. Ensuite, on a redemandé à Gauthier, et résultat, bah, le petit groupe de seconde s'est reformé en terminale. Voilà, on s'entendait bien, ça marchait bien, donc on s'est dit bah, pourquoi pas former un groupe à part entière. Alors, c'est quoi votre style à vous? Métal néoclassique. Oh, à la base, c'était, ouais, c'était ouais, du métal néoclassique, mais en fait, maintenant, ça a évolué depuis quoi. C'est du hard qui reprend à peu près tout est. C'est du rock, c'est un peu tout. C'est pas vraiment du métal énervé. Enfin, c'est pas non plus du enfin, de metalcore, quoi. C'est vraiment du rock. Le sera toujours mélodique, on peut dire. Oui, ouais. Ouais, ça reprend toujours un peu du classique. Ouais. Et ça reprend vraiment tous les styles de musique maintenant. Au départ, on était vraiment que classique. Maintenant, on reprend du rap. Dans notre dernier enregistrement, il y avait une tendance espagnole. On enregistre directement sur YouTube. Ouais, c'est un truc sur YouTube. C'est même pas en studio, c'est vraiment enregistré nous-mêmes. Avec un petit enregistreur. Super expérience, ouais. des rencontres, ça nous a permis de bah, d'être pris au sérieux en fait. Ouais, d'être pris au sérieux. C'est, sinon on n'aurait pas pu organiser le concert de ce soir justement. Ça nous a ouvert des portes, beaucoup de portes. Ouais. Et c'est même plus nous qui allons ouvrir les portes, c'est les portes qui viennent à nous. Avant on avait toujours énormément de mal pour trouver des concerts et maintenant c'est les gens qui vont nous demander. Donc c'est super intéressant pour nous parce que vraiment trouver les concerts qui nous servent et pas. On choisit plus par défaut maintenant, on choisit nos trucs, on fait nos concerts. Ouais, vous faites ce que vous avez envie quoi. Voilà, ouais. On fait ce qui nous plaît. Et... Comment vous voyez les choses? Vous avez envie de continuer tous ensemble, tous les quatre? Ouais. Continuer, s'éclater. Ça, c'est sûr. Ouais. Aller le plus loin possible. Ouais. Ça va peut-être être un peu compromis les prochaines avec les études. Ouais, voilà, prochaine, il y aura juste une année après, l'année ça va prochaine. Pas nous empêcher de... Ouais, la première année. Ça. Ouais, on peut reprendre après, ça quand le boulot va un peu se calmer, etc. On pourra reprendre derrière, se rencontrer et puis. Même si on continuera pendant les vacances, là, sûrement. Ouais, pendant les vacances, on va essayer de vraiment mettre la dose sur les concerts. Alors, voilà, mais...